est sur du vent offshore avec 40 nœuds et plus. T'es sûr, Violet? T'es sûr? 3, 2, 1, go! Une cinquième manche là, on a pris je pense un bon 45-50 nœuds là sur cette manche. Le départ était juste incroyable avec tout le monde, le bateau, Philippe Bru à fond la caisse, nous qui arrivait derrière, la mer déchaînée, le vent qui soufflait, enfin c'était vraiment incroyable. On est vraiment content et c'est pour ça qu'on fait le défi. C'était vraiment fort, 3,5 j'étais vraiment en power. J'ai pris un gros crash juste avant le départ comme j'en ai rarement pris en foil et voilà, c'était hyper dur. Ouais. C'est génial à rider, ça accélère, il y a un vent de fou, il y a l'adrénaline, il y a beaucoup de vitesse là, sur les bords, on est collé au sable, c'est tout flat. C'est cool, c'est tout blanc, c'est magique, vraiment magnifique avec tous ces kites. Ouais, c'est un vrai défi là, c'était dur, ça fightait, c'était trop bien. Dans ta tête tu dis mais... qu'est-ce que je suis là? C'est la fête des mères, je pourrais être à la maison avec mon bébé et tout. Et là, tu dis, mais non, mais là, c'est ça qui est bon, c'est le défi, bordel! Ah, je me suis régalé, c'était vraiment impressionnant le départ. On était tous serrés en 4 mètres, avec une petite rafale à 60 nœuds, j'imagine. On s'est bien battu sur l'eau, je suis vraiment super content. Au ras de la plage, et là, la flotte qui te passe sous le vent, et toi, t'es au chaud, j'étais à 1 mètre du bord, taqué, donc c'était assez impressionnant. Super manche quand même, beaucoup d'émotions, fallait rien lâcher du début à la fin, donc c'était vraiment cool. Et j'espère qu'on va en faire une deuxième.